Il est exactement 16h quand les diplômés font leur entrée dans l'une des salles de l'hôtel Bellecote. Ils sont acclamés par le public. Parents, frères, sœurs, amis, personne ne veut se faire compter les veines. Habillés en jaune noir, vert noir et bleu noir, ces étudiants qui vont dans quelques instants recevoir leur diplôme sont de l'établissement Graduate School of Management, une université privée qui propose une formation dispensée en langue anglaise. Tous sont issus de la 13e promotion. Au fur et à mesure, ils sont récompensés de leurs efforts. 123 diplômés au total. Ces diplômés ont opté pour l'apprentissage en anglais afin de s'offrir des opportunités d'emploi au niveau international. Moi, j'ai commencé à Graduate School of Management en 2016, où j'ai commencé ma licence. Et dès que j'ai fini, je me suis dit pourquoi ne pas continuer directement mon cursus, vu que je suis encore jeune et que j'ai toute la vie devant moi. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me sacrifier en faisant un MBA en cours du soir et en travaillant en journée. Vraiment, c'était une très belle expérience, pleine de sacrifices. Mais aujourd'hui, je suis très, très fière de moi et je dédie ce diplôme à ma famille. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quand je suis venue, je n'arrivais pas à m'exprimer devant des gens. Je n'arrivais à rien dire. Et au fil de mon processus, les professeurs m'ont aidée, l'administration, c'était comme une famille. Ils m'ont mis à l'aise et c'était vraiment bien. Donc, j'ai pu développer ma personne, j'ai pu développer mon parler. Donc, je suis super heureuse. Pour les fondateurs de cet établissement anglo-saxon, cette remise de diplôme représente une fierté, un pas vers l'avant. Nos étudiants, c'est leur responsabilité pour faire en sorte qu'ils sont utiles à la société, envers leur famille et puis la Côte d'Ivoire en tant que pays. Notons que Graduate School of Management dispense des cours en anglais dans plusieurs disciplines, dont l'économie, le droit et les sciences de gestion.